Salut à tous, c'est Silariel et bienvenue dans ce quatrième épisode de Might and Magic 10 Legacy. Alors comme je vous l'ai promis, cette fois-ci, nous allons faire le phare. Donc qui est le troisième donjon, donc le premier, en guise de rappel, c'était les araignées. Et le deuxième, les bandits. Alors je sais pas s'il y a 3 ou 4 donjons dans cette version alpha. Et de toute façon, ça change pas grand-chose au fait que je la fasse. Ah, aïe. Voilà. Et ouais, pas plus la maligne. Ah, potion de mana, ça me fait carrément plaisir. Vous voyez que je suis déjà passé un petit peu, comme je vous avais dit dans l'épisode 3. C'était histoire de voir un peu ce qui m'attendait. Je crois qu'il y a une porte là, ouais. Et il y a l'air d'avoir un truc au fond. Aïe aïe aïe. Ok. Ceux-là, je les aime pas beaucoup, ils font assez mal. Oups, je me suis trompé dans ma touche, il va taper sur une de mes sorcières. Enfin, une de mes sorcières. Une de mes femmes, et ça n'a pas loupé. Furoda! Eh mince, j'ai déjà brisé mon arme. Et ça fait pas super plaisir. Ah. Merci de m'avoir délivré. Qui êtes-vous? Je suis Hamato, chasseur de primes de l'ordre du Serpent Blanc. Si l'on en croit la rumeur, un ancien ennemi serait réapparu. J'étais venu enquêter et j'ai bêtement été capturé. Quête, les ténèbres dans le phare. Ça, les courants du destin nous ont amenés ici à la poursuite d'un objectif commun. C'est sûrement la volonté de Shalasar. Ce phare est sous le contrôle du culte de la naufrageuse, l'ancien ennemi dont je vous parlais. Hélas, je ne pourrai guère vous épauler dans ce combat, je suis blessé et affamé. Je serai plus un fardeau qu'un atout. Continue. Je peux néanmoins me rendre utile. Tandis que vous affrontez leur chef, j'attendrai à l'extérieur du phare et tuerai quiconque tentera de s'en échapper. Là, je peux discuter sur le culte de la naufrageuse, le chef du culte ou la capture. Mais bon, je vais vous épargner ça, ça fait beaucoup de blabla. Et à ce moment-là, je lui dis qu'on se retrouve dehors. Donc, à mon avis, lui, j'ai bien fait de le libérer. Ah, ça s'est ouvert là-bas. Est-ce que j'y vais comme ça? Ouais, j'y vais comme ça. Lui, j'ai bien fait de le libérer parce que, à mon avis, ça me sera fort utile. Ah bah, elle vient d'elle-même. He's dead. Est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je... Bon, allez, c'est parti. Et on va monter de niveau. Ok, le phare. Alors, j'entends du bruit là-bas. Je vois de la lumière. En même temps, c'est normal, il y a de la lumière partout. Ok, alors, est-ce que je me soigne ou est-ce que je prends le risque de foncer comme ça? Ça serait dommage de mourir bêtement. Bon allez, hop, une ration. Et voilà, c'était sûr, c'est quoi? Aïe, obligé d'avancer. Ah, ils sont deux. L'autre se rapproche. Et je l'attends. Ok, c'est ça. Aïe aïe, j'aime pas quand il bloque comme ça. Furoda! Le mec il me bloque tout quoi. Ah ouais.
pas de le louper comme ça, c'est marrant. Aïe. Oups. Ça c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, j'ai pris cher. Comme vous voyez, j'ai bien fait de me soigner. Alors, parfois les coffres sont piégés, donc je vais encore faire une petite sieste. Ah, t'as vraiment fort ces serpents, c'est impressionnant. Ok, je sais pas pour rouler, bon, on va dire par là. C'est quoi ça? Ah, ok. Aïe! Et là, tu me gêneras pas plus longtemps. Et oh non, encore un gros comme ça derrière. Ah merde, je me suis trompé. Oh, ce fail en direct. Et mince, mon armure. Aïe. Tiens, pourriture. Ok, donc je suis de ce côté-là. Donc je vais voir ce qu'il y a dans le... Voilà, dans le tonneau. Potion de santé mineure. Un nouveau jour se lève, déjà. Qu'est-ce que je fais? Elle a encore combien? 45 de mana. Ça, ça en coûte 20. Ça, ça en coûte 15. Donc on monte encore d'un étage. Tu devrais pas trop tarder à arriver au sommet. Phare niveau 3. Et... Ah non! Ah non! Allez, c'est parti. Voilà, il va mourir. Et voilà. Bon, une sieste impose. Alors, c'était déjà ma troisième sieste, j'en ai plus le droit. 4-2. Alors c'est vraiment un gros handicap cette histoire de potions qui manque. Aïe. Voilà, c'est... Oh non, Kenshi d'élite. Alors lui, il doit faire vachement mal. Aïe. Ouais, quand même. Hop, on va lancer ça direct. Oh non, il me l'a mis KO. Oh non, j'ai vraiment pas besoin de ça. Est-ce que je peux ressusciter? Allez, voilà. Voilà, il revient à la vie. Ah, il m'a fait vraiment mal. Hein.
Aïe. Ah voilà, je me suis bien tout fait. Aïe. Ok, et il y en a une autre qui m'attend en face. Eh bah, je suis pas aidé. Je vais encore devoir dormir une nuit parce que là, c'est pas gérable. Aïe. 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 À mon tour. Et voilà. Ah moi je peux pas l'utiliser ça. À mon avis. Aïe aïe aïe, ça va. Ah, je sais pas ce que ça va être, mais ça va m'énerver. Ah, c'est juste ça. Et il est bientôt mort. Bim! Ah, c'est celui qui était juste de l'autre côté, d'accord. Aïe! Et voilà, ça c'est le mauvais mouvement que je regrette déjà. Elle, on va essayer de la poutrer en première. Aïe. Fait vraiment très mal. Allez, j'ai claqué une petite potion de mana. Aïe, ce qui me permet de faire. Hops, et hop. Aïe. Bon, je claque encore une potion de mana, j'en ai plus que 6. Allez, quand même. Aïe, 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 j'ai vraiment pas besoin de ça. Et c'était sûr, ça, c'était sûr. Bon, bouclier. Aïe, c'est trop loin. Je suis de retour. Ah, il peut pas faire ça. Ah non. Aïe. Ah la peau tue, ça chante sur elle. Vous voyez, c'est vraiment laborieux là le combat. Ah mais je rate tout en plus. Ah il va me tuer hein. Ah waouh waouh. Là, c'est vraiment un gros fail, qu'est-ce que je fais? On va faire ça comme ça. Il va me le mettre KO, tu vas voir. Et voilà, c'était sûr. Bon. Je vais me reposer. Et lui, je vais le soigner. Comment je fais là? Parce que je suis un petit peu en galère du coup. Vous savez ce que je vais faire? Ça arrête pas de parler. En fait, moi ce que je vais faire, c'est retourner en arrière, aller faire une petite escale en ville pour me soigner, réparer mon équipement et tout, et acheter des rations. Du coup, là, enfin là, je vous parle, mais après ça, je couperai ce passage. Je vais vous épargner la marche quoi.
Et voilà, donc je vous dis à tout de suite. Vous verrez pas la différence parce que ça va s'écouler en un quart de seconde. Et nous revoilà repartis. Alors là, mine de rien, je vous ai épargné 4 ou 5 minutes de marche. Ah. Aïe. Ah, elle s'acharne sur elle. Ah, élite. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Victime de paralysie? Ah, la pourriture. Alors, pour la paralysie, c'est un petit peu spécial. Je crois avoir ce qu'il faut sur moi. Voilà, guérir un allié paralysé. C'est un sortilège en fait de la magie de l'eau. Que bien entendu je n'ai pas. Comment ça marche? Ah ça y est, il est. Ça a marché, ça y est. Ok. Donc ça normalement je peux le débloquer en augmentant ma magie de l'eau, mais comme je vous l'ai dit précédemment, moi ce que je fais, c'est de la magie de la lumière. Comme on le voit ici. Allez, c'est parti. Donc ouais, il fallait marcher sur les deux dalles pour activer la montée. Et Mamushi, ça a l'air d'être un boss. Ça, encore des vies à sacrifier à la naufrageuse. Vous serez rendu à l'océan aventurier. Vous pensez réussir là où l'assassin de ma mère, Hamato, a lamentablement échoué. Fight Mamushi, ça n'a même pas encore été traduit. Ouais, ça va être problématique parce que je me suis pas reposé avant. Vous savez ce qu'on va faire? On va recharger juste avant que ça parte. Et je vais me reposer. Parce que je m'attendais pas à ce que... Est-ce que ça enchaîne directement sur un combat? Parce que là, mon équipe n'est pas prête. Et ça va pas le faire. Alors, se reposer. Voilà. Je fais une petite sauvegarde. Voilà, et c'est parti. Bon, ça, je vais pas vous redire ce qu'il dit. Hein. Hop là. Oula, oula, il a beaucoup de trucs, le mec. Hein? Non, j'ai franchement pas compris ce qu'il vient de me mettre là. Je vais réessayer. Il doit y avoir une technique parce que le mec il m'a poussé lamentablement. Et j'ai rien compris à ce qu'il m'a mis quoi. Alors, oui, oui, je trouve ça pas, je trouve pas ça drôle moi. Ah d'accord, en fait le mec il m'a poussé dans le vide. Ah ok. Je l'ai manqué, il est pas provocable. Ok, là je suis pas bien. Bah lui rien. Hop. Aïe. Il y a quelqu'un avec qui j'ai pas joué. Ah, d'accord. Ouch. Mais non. Qu'est-ce que c'est? J'avais pas besoin de ça. Fait super mal. Aïe aïe aïe. Bah là j'ai pas le choix d'avancer sinon il peut me repousser. Tu vas voir qu'il va me le mettre par terre. Hein. Ah non. Alors ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire c'est ça. Ça. Et ça.
Bon, ce qui est bien, c'est qu'il se déplace du coup. Aïe, ah, il peut se déplacer et frapper. C'est quoi ce bourrin? Ah, il bloque tout et je rate. Ah, ouais. Alors, je crois que j'ai un petit parchemin de sort bien efficace. Manteau de l'ombre. Le groupe se fond dans les ombres pendant ce tour. La prochaine attaque de quelque ennemi que ce soit rate. Ça, ça m'intéresse. Ah, mais que dalle en fait, il m'a repéré le mec. Aïe 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 aïe. Je leur balance hein. Elle soin, hop. Elle, prend le mana. Lui, Qu'est-ce qu'il peut bien lui faire? Il n'y a rien de spécial à faire. Non, je suis pas aidé. Voilà, ça va, j'ai encore de la marge. Hop. Elle a plus de mana. Ah, bon, quand je le pousse, ça marche pas. Je suis deg. Le truc qui sert à rien du coup. Toi, tu bois de la mana. Toi, tu bois de la vie. Et vous frappez. Aïe. Donc là, il faut que je m'avance. Ah, c'est très technique comme combat, l'air de rien. Fais pas de mine. Ok, c'est toi et moi, bâtard. Ça fait mal. Aïe, j'ai déjà plus de mana avec elle. Hop là. Alors, bon, on va quand même sur cette lampe là. Aïe. Aïe, gros bobo, aïe. Aïe aïe aïe. Bon, je me suis presque fait. Ça serait dommage de perdre juste à la fin. Il arrête pas de me repousser hein, le vilain. Ça va, j'ai de la marge. Non non, ça c'est pas bon du tout. Là t'as pris. Aïe. Non, 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 pas bon, pas bon, pas bon du tout. Sauvé par le bouclier. Là, c'est le moment où je suis plus bien du tout. Donc, je vais faire ça en espérant survivre. Et là, j'ai plus le choix, faut que je tape. Ah, aïe, aïe, aïe. Ah, non, non, ça c'est pas bon du tout, mais pas du tout, du tout. Faut que je compte sur mon nain. Ah! BAM! Du coup, le petit son que vous avez entendu là, c'est un clin d'œil à Mathieu Magic 6 et 7. J'ai que ces deux personnages là, mon humain et mon nain, qui ont gagné l'XP parce que les autres étaient KO. Et 250 XP, ça fait un petit peu mal au derche de pas les gagner. Bon, on va se reposer. Hop, maintenant toi, tu vas soigner elle et tu vas soigner lui. Et du coup, je crois que je continue par là. Enfin... Non, je continue par là alors. Non, je fais quoi? Ah!
J'active ça. Pas pour moi. Malsa règne dans les ténèbres et Elraf dans les cieux. Avant que la lumière n'étincelle, hommage doit être rendu au dragon. Au nord, Arka règne sur les montagnes de feu. Ok. qu'est-ce que je dois faire là? Ah d'accord, il y a un bruit spécial qui veut dire que c'est bon. Toujours pas le bon. Voilà. C'était pas bien dur au final. Je sais toujours pas de quel côté je pars. Ça, ça a l'air d'être un escalier qui descend. Et bah ça aussi. Et voilà. J'ai fini le phare. Donc assez laborieux comme vous avez pu le voir. Alors, vous avez réussi là où j'ai échoué. Ma Mushi est mort et le culte de la fraîcheuse à nouveau dispersé. Vous avez bien œuvré. En quoi puis-je vous servir? Ah, il peut me former au maître du combat à deux armes. A savoir que cette formation-là n'était pas disponible en ville, ça devait être une des seules qui manquait. Donc, quête, l'épée du chasseur de primes. Je suis troublé. Quand on m'a capturé, ma Mushi m'a dépouillé de mon sabre, un trésor familial. Ce sabre, mes ancêtres le brandissaient depuis l'époque de la diaspora. On l'appelle San Tenga Mugen. Il a été forgé à l'aube des temps dans l'argentile le plus pur. Après que vous avez vaincu. C'est pas. Ouais, ça me semble pas très français, c'est pas grave. J'ai tenté de retrouver sa trace au phare, mais sans succès. Continue. J'ai peur que l'épée n'ait été déplacée dans un lieu secret tandis que j'étais prisonnier, ce qui voudrait dire que le culte entretient un autre repère dans la région. Funeste augure, je ne tolérerai pas que mon épée ou œuvre pour le mal. Vous me rendriez une immense faveur à ma famille et à moi si vous pouviez retrouver ma lame au cours de vos périples. Bah écoute, avec plaisir mon grand. Je peux pas partir? Nouveau jour se lève. Et là je peux pas partir. Enfin bref, de toute façon ce que je voulais vous montrer c'était ce donjon et le boss donc accessoirement. Donc je sauvegarde. Je vous remercie d'avoir regardé. Je fais un nouvel sauvegarde. D'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine.